Salut, c'est Shunji et moi aussi pour le 27e épisode d'Aira Sky. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un épisode recette, craft, d'affilée, enchaînement. Bon, alors, au niveau des B-Entry, il me demande plus que 4 manettes. Au niveau DC, il manque plus que l'Epictomic Power, mais je viens d'enchaîner l'épisode 26. Enfin, je viens de finir l'épisode 26 il y a 2 minutes. Donc, si vous avez écouté la fin de l'épisode 26, vous comprenez que j'ai pas envie de le faire maintenant, tout de suite. Ensuite, il me reste ici des crafts à la con, tout ce qui est purple, tout ce qui est mushroom, là je dois attendre, tout ce qui est soul, enfin c'est des sandwich mushroom, donc c'est les mushrooms qui me manquent ici. Il m'en faut encore 600 des mushrooms. Soul Sand et Dirt, ce sont des éléments que je dois attendre. Purple, c'est ce que je dois attendre. Essentia, c'est de Tomcraft. Tomcraft, je vais le laisser en pause pendant un petit moment. Je reviendrai peut-être demain dessus, on verra. Et sinon, il me reste plus que Zoen et Brackenrite. Et on va commencer par Brackenride, et à mon avis ça va être plus détendu. On va commencer par faire tous les crafts à la con ici. Je vais tout crafter de mon côté, et je vous reprends une fois que c'est fait. Bon voilà, alors j'ai fini déjà la première rangée de quêtes, il y avait rien de spécial, il y avait trois trucs de quêtes. Alors où j'ai un petit peu bloqué, c'est pour la Way Rockwool, qu'il fallait en fait des flags. Je montre quand même... Non, des slags alors, peut-être des slags plutôt, des slags. Qu'on obtient comme ça et qu'on devait mettre dans une fournaise pour obtenir des light gray rockwool, et après il fallait recolorier le light gray rockwool pour en faire des white. Donc c'était la seule difficulté que j'ai rencontrée. Sinon après j'avais tout. Ils m'ont demandé de tuer des blizz, ben c'était facile. J'ai activé mon mob spawner, je suis rentré dedans, je les ai tués, c'était fini quoi. Et donc clean the reward, parfait. Du coup j'obtiens ça, 16 machine frame, ça peut toujours être utile, et je peux surtout mettre une fille supplémentaire. Enfin, un cœur supplémentaire. Parfait, parfait. Pour la suivante, rien à redire, c'était easy, to go. Hop, du coup ça me fait encore un petit reward. Un épique avec du Nether Sulfur, ça sert encore une fois à rien, génial. Bon, voilà, encore une quête de fini, c'était pour Applied, c'était aussi rapide, rien de très compliqué à faire, du coup j'ai mon reward. Et il contient, cette fois-ci, c'est un Legendary qui contient un cœur supplémentaire, c'est génial. J'aurais peut-être dû faire ces quêtes-là plus rapidement. Dans la partie, vu que ben là je le fais à la fin, et tout ça me servira à rien, tandis que si je les aurais fait plus tôt, peut-être que j'ai mal réfléchi. Alors une autre quête où là j'ai eu du mal par contre, il me fallait en fait pour la quête de Manfactory, il me fallait des vines, et donc je ne sais pas comment les obtenir directement. En fait il fallait tout simplement faire pousser un sapling, enfin un arbre jungle de 4 de diamètre, enfin avec 4 saplings. Et laisser pousser sur son sur le jungle sur un sur ça sera sur un biome jungle tout simplement, et on obtenait les vines. Et donc du coup vu que j'obtiens les vines, je peux finalement crafter ceci, et en toute logique j'ai fini de crafter pour Applied Manfactory pardon. Hop, du coup encore une fois ça me fait un cœur supplémentaire que je ne pourrais pas utiliser. Bah pas utiliser à fond quoi, je pourrais pas exploiter correctement, et ça me fait des runes d'augmenter de capacité. MFR fan, applied fan, parfait. Des panneaux qui me servent strictement à rien. Et voilà, encore un truc débloqué. Si j'ouvre le bon livre, c'est mieux. Donc j'ai fait tout ce qui était de bibliocraft. Hop là. Une seule difficulté rencontrée, c'était pour la pressure plate et tout ça. Il fallait avoir une pressure plate en mossy. Et en mossy, pour un mossy, il fallait faire ça. C'était la seule difficulté que j'ai rencontrée en soi. Et donc maintenant, clean the reward. Hop. J'ouvre ce petit bag, j'obtiens du Nether or Gold, c'est parfait, ça peut toujours être utile. Bon, alors encore une quête de débloquer, c'est cette petite quête-ci, open. C'est celle avec Tomcraft où il fallait crafter tout ça, et surtout les essentiels qui étaient longs et chiants à faire, dans le sens que ben, ce sont des fils essentiels avec une couleur dessus. Devinez ce que correspond la couleur à l'élément, quoi. Donc j'en ai crafté plus que nécessaire des essentials, vu que ben je sais pas c'était laquelle la bonne. Je devais en crafter 8 au total. Essentials, fials, non fials, essentiels plutôt. Voilà, je devais en crafter 8 au début, voilà tout ce que j'ai crafté. Et apparemment j'ai crafté plusieurs fois la même sans m'en rendre compte, pour vous dire à quel point que c'est le boxon de cette zone. Bon, il est temps de faire un sacrifice. Dans le bec, pigmen. Voilà, parfait. Donc maintenant je clique. Altar must not be by a outside source. Par une source extérieure. Ritual altar is too brightly light. Ah, il y a trop de lumière. Ah zut.
Ah oui, bah zut, bah je ferai ça à la prochaine nuit alors. Allons, je retire les torches maintenant, je reste assez de temps. Ça m'étonnerait quand même que j'ai assez de temps pour retirer assez de lumière pour tout ça. Et maintenant. Ah bah il est plus minuit. Et tout le temps, Altar Source, merde. Cette fois-ci, pas d'erreur. Alors, je vais faire cette fois-ci spawner un petit poulet. Le sacrifice et tout se passe bien. Donc maintenant toi t'es passé en active. Parfait. Et là il y a quelques monstres qui vont m'attaquer, mais rien d'important vu qu'ils vont finir de toute façon par décéder. Et donc tout ça c'était pour crafter des unstable ingots que j'ai crafté stable hein, directement avec la recette des semi-stable nuggets qui permettent qu'il n'y ait pas d'explosion. Du coup maintenant je peux crafter tranquillement mes Snare Goggles et continuer ma quête de l'armure. Après je vais partir en Tombcraft, ça va être mon drôle. Alors je dois aussi faire les Boots of Traveling, un truc comme ça, voilà, les Boots of the Traveler, pardon. Donc les Boots du Traveler, tout simplement. Et donc je dois faire tout ça, rien de bien compliqué, fallait juste encore une fois suivre les recettes. C'est un peu chiant, mais bon. J'ai lancé le truc, c'est parfait, donc ça commence à fonctionner. Je commence à avoir de plus en plus d'avoir de jade dans les environs et ça commence vraiment à poser problème car je comprends plus rien. Dans ma saison MMC, j'ai en train de faire ça beaucoup plus propre, hein, sinon... Ouh là là, ça m'a allé. En plus, ça devient de moins en moins fluide la zone. Oh mon dieu. Bon. Voilà, ça fait par rapport à la dernière séquence. Pas seulement 4 mois qui se sont écoulés. C'est encore correct, je trouve. Ou pas du tout. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ça fait 4 mois que depuis la dernière séquence. Et je n'ai pas du tout avancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous reprends soudainement? Tout simplement, comme j'en ai parlé dans mon dernier épisode de MMC, j'ai en tout cas entamé un changement de politique. Et avant d'avoir vos retours, j'ai déjà enregistré cette séquence-là, donc pour les gens qui se posent des questions. Donc, dans mon changement de politique, je disais que j'allais mettre une fin à tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant pour recommencer sur un nouveau pied. Pour recommencer d'une nouvelle manière, d'une autre façon, d'une façon un peu plus correcte, d'une manière qui m'assurerait peut-être mieux les choses, tout simplement. Et donc là, ben, comme je vous l'ai dit, ça fait 4 mois que je n'ai pas enregistré sur Agrarian Sky. Je n'ai pas fini la saison. J'ai plusieurs séquences sur le côté. Je ne sais pas encore comment je vais les monter vu que je ne me rappelle plus ce que contiennent mes anciennes séquences. Du coup, je vais tout simplement essayer de faire le montage du mieux que je peux. Et je vous posterai les vidéos à ce moment-là. Du mieux que je peux aussi, tout à fait. C'est-à-dire que par ce que je veux dire par du mieux que je peux, c'est-à-dire d'une manière que ce soit un petit peu correct quand même pour comme dernier épisode, à part comme je vous l'ai dit, dans l'épisode de MC, si vous voulez une continuité à Agrarian, si vous voulez avoir la suite des épisodes qui arrivent, ou si vous n'en avez plus rien à faire et que si je laisse tomber, ça revient au même pour vous. Comme je vous ai parlé dans le dernier épisode de MMC, c'est une promesse que je vous ai fait en début de saison, comme à chaque début de saison, avoir un début et une fin. Et donc encore une fois, cette fois-ci, comme dans MMC, je n'ai pas de fin digne de ce nom, je n'ai pas une vraie fin, c'est un abandon, c'est un rage quit en pleine saison. Et je vous laisse quand même l'option de me dire si vous désirez ou non, absolument ou pas, une véritable fin de saison. Donc si ça vous fait ni chaud ni froid, ben je m'en arrête là. Je prendrai vacances et je recommencerai sur un nouveau modpack et je ferai de cette fois-ci de A à Z avant de poster les vidéos, comme ça je suis sûr que j'ai A à Z avant et que la promesse que je vous fais au début de mon épisode sera véritablement tenue avec un rythme régulier et pas irrégulier, car si je vous poste cette vidéo-là, ça fait 4 mois par rapport à la dernière fois. Et oui. Donc là, je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'attends vos réactions, aussi bien positives que négatives. Commentaires à côté de la plaque ou non, commentaires construits ou pas. J'attends toutes vos réactions, comme ça je sais à quoi m'en tenir, à ce que je dois faire et ce que vous préférez dans tous les cas. Donc sur ce les amis, je vous dis soit ça salut et à prochaine pour une nouvelle saison ou pour la suite de ma saison, tout simplement. Et donc ça salut et à prochaine. Bye.